le nouvel nom de l'association Espoir. Et c'est à eux aujourd'hui de souhaiter bon an à tous ceux qui sont du comité d'Espoir. Ils ont comme objectif l'union, la solidarité, la cohésion. C'est un groupe qui veut avoir la paix, qui aime la joie. Et ils ont voulu en ce jour fêter la nouvelle année. Prendre la parole en ce jour béni au nom des populations de Kwakoko. Au nom de l'association Espoir qui a pris cette initiative. Au nom des jeunes, au nom des femmes, de toutes les populations confondues dans ce quartier qui ont voulu que je parle de notre part. Monsieur le parrain, Monsieur Aouna Mpapé Nikes, et Monsieur le suppléant, qu'on appelle affectueusement Kamikaze. Vraiment, je voudrais saluer votre présence ce matin. Et au nom de toutes ces populations, il faut dire d'entrée que ce que vous voyez, le nombre que vous voyez, n'est que la partie visible du iceberg. Vous aurez vu plus que ça ici, mais nos sages, les pères des familles, ont répondu à l'appel du député. Kwakoukro est un quartier modeste où il fait bon vivre. Kwakoukro est un quartier cosmopolite où toutes les couches de la population, quelles que soient les ethnies, religions et toutes les diversités, lorsqu'il s'agit de prendre des initiatives en vue vraiment de promouvoir l'union, la paix et la cohésion, font tomber toutes ces barrières en vue de regarder à l'essentiel ce qui nous unit. Monsieur le parrain, ce matin, notre joie s'est portée sur vous parce que nous savons que vous êtes un modèle. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être parmi vous parce que ce quartier représente un modèle de vivre ensemble. C'est ce que nous, la jeune génération, voulons apporter à Gauville. À Gauville, on n'a pas l'argent à apporter à Gauville, mais ce qu'il faut à Gauville, c'est de créer le vivre ensemble. Aujourd'hui, je suis heureux de voir parmi vous les Doulas, les Abeilles, quelle que soit l'ethnie, on se retrouve ici. C'est cette formule que nous devons prôner pour Gauville. Nous sommes là pour créer une jeunesse publique pour la non-violence. Aujourd'hui, nous sommes tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire de 1960, c'est la Côte d'Ivoire de 2021. Nous devons faire comprendre cela aux hommes politiques. Et c'est ça mon combat. C'est ça mon combat. Chacun de nous a une famille qui vient du Nord. Chacun de nous a une famille qui vient du Sud. Mais aujourd'hui, nous les jeunes en paix, nous devons être en mesure de valoriser ces valeurs. Aujourd'hui, quand je me suis présenté pour être candidat, certains vieillards, nos parents disent, mais ce petit vient faire quoi dans la politique? Mais je dis, c'est ce petit qui va apporter le changement à Gauville. C'est ce petit qui va créer le climat de paix à Gauville. Et aujourd'hui, je suis très content d'être parmi vous. Chère maman, je suis votre enfant, je suis vos maris, je suis votre petit frère pour certains et vos grands frères pour certaines. Je suis là pour vous donner des conseils. Je suis là pour vous guider sur le chemin pour que le plus vivant, le bon vivant ensemble à Gauville. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Merci à nos mamans. Merci à toute cette population de Kwakoukro d'être sortie massivement malgré vos programmes. Et vous dire que cette lutte que nous voulons mener, c'est aussi la lutte de vos enfants. C'est pour nos frères. Nous ne voulons pas toujours être jeunes, accompagner les gens seulement lorsqu'ils ont besoin de nous. Nous ne voulons pas être ces jeunes-là qui sommes là pour placer que des bâches, apporter des chaises. Il faut que nous prenions les devants des choses et représentons dignement les jeunes. C'est pourquoi, lorsque nous avons été sollicités pour notre parrainage, nous n'avons pas hésité. Nous n'avons pas hésité tout simplement parce que Kwakoukro représente toute cette diversité de peuples qui regroupe à Abouville. Quand vous êtes à Kwakoukro, il y a des Baoulés, il y a des Bété. Nous voulons donner cet exemple-là à toutes
les autres communautés, afin que nous ne puissions toujours pas baigner dans cette histoire d'agression interethnique, parce que Wakuko est un exemple. Et nous n'avons pas hésité à être là. Je voudrais dire merci au comité d'organisation. Cette communauté nous donne l'exemple de vivre ensemble. Je suis heureux de me retrouver dans un quartier où il y a une diversité ethnique et je pense que ce sont les valeurs que nous, Ivoiriens, devons prôner pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Effectivement, nous sommes jeunes et quand nous regardons la démographie de la Côte d'Ivoire, on nous dit que l'avenir de la Côte d'Ivoire appartient à la jeunesse. Et il est temps pour que nous, jeunes, on prenne la reine des choses parce que nous sommes aussi matures, intellectuels, comme nos leaders politiques. Et nous pensons que nous avons la possibilité de pouvoir changer les choses et nous sommes engagés à changer les choses pour une Côte d'Ivoire meilleure. Dans notre quartier, on a rien. On ne peut pas faire que wa tamboro. On veut vendre, on n'a pas l'argent. De mes baratana. On n'a pas qui nous aider, quelqu'un pour nous aider. Donc, on est minan, on est moral, quoi, mais c'est quand même. Où on est là, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Et puis, il faut qu'on ait une situation à Kagbele. Notre situation là est dure. Donc là, un chauffeur fera tes barres là. Non, Marie ne travaille pas. Donc, là, c'est quand même au côté Fana là. Fana. On nous aider sur ce côté là pour voir. Avec Arijat, nous sommes des groupes espoir. Oui. C'est que s'il peut nous aider par rapport à c'est ce que la soeur vient de dire, par rapport à notre commerce, il y a d'autres qui travaillent, il y a d'autres qui ont notre diplôme, que ça ne marche pas. Asseyez-vous, touchez-vous.